Radio Télévision Caraïbes, bonjour, bonsoir tout le monde. Et c'est un plaisir pour nous avec nous matin. On trafic 22 spécial que nous avons fait. Là, nous avons démarré le trafic là matin dans Publin. Et c'est station Publin. Hein. Nous allons aussi parler avec deux trois chauffeurs moto sur comment le circuit est lié. Et dans la zone ça, nous avons avancé Pierre-Richard Deno qui est avec nous. Les amis, bonjour, nous sommes sur Radio Télévision Caraïbes. Matin, il y a un trafic 22 spécial comme chauffeur moto. Comment vous êtes et circuit et que vous faites matin? Comment circuit vous êtes? Spécialement, je salue Radio Télévision Caraïbes. Et je suis beaucoup fait trois groupes à coup pour matin. Mais je n'ai pas gardé là et là dans le public. Nous sommes tout le monde sous tension. Vous comprenez? Pas grand sérieux qui a réglé. Vous comprenez? Vous êtes sous tension et vous avez dit par attention. Non, parce que l'obligé de gros paquet de monde qui a sorti de Delma, il a couru entrer, vous comprenez, par rapport à Jean ou Delma a levé. Très pas bon matin là, vous comprenez? Ça veut dire. Moun yo sous pression, vous comprenez? Par contre ça qui problème Delma, qui ça moun yo a revendiqué? Bon, d'après ça, on a attendu, c'est policier qui a revendiqué, qui a dit si vous équipez Richard, vous comprenez, il faut que vous remettez quoi policier ou tout, vous comprenez? Ça veut dire, c'est ça nous tendez, vous comprenez, à travers les ondes. Mais pour nous-mêmes, et nous-mêmes dans la station publique, là, nous n'avons pas de problème, nous avons fait six courses normalement. Bon, nous là quand même, mais pas vraiment d'activité, vous comprenez, pas vraiment d'activité. Nous là quand même, parce que nous n'avons pas être là quand même. C'est dans la rue, nous avons cherché, vous comprenez. De toute façon, quel que soit, juste ça, nous sortis, mais c'est pas d'activité qui est vrai. Ben, Abdou, merci, et Radio Télévision Caraïbes, spécialement Trafic 22. Donc, merci et puis nous souhaitons une bonne journée de travail. D'accord, moi merci vous même tout. Merci. Voilà, ça c'était un ami, monsieur c'est un chauffeur moto et Pierre-Richard Deno. Là, c'est là n'a démarré trafic 22 à matin. N'a démarré là dans station Publin. C'est une rubrique spéciale, un trafic 22 spécial. C'est comme ça nous démarré jeudi mercredi 17 mars là, nous avons l'autre style de trafic et trafic ça c'est arrivé dans une série de bases, dans une série de stations. Poser quelques questions, là nous démarrer trafic 22 à dans Publin et de nous n'a pas démarré Kounia et nous allons sortir sur autoroute Delma et pour nous permettre que mon yo même yo voit comment et la rue elle même est liée dans zone Delma puisque il est vrai que zone Delma pas bon gain en pile et caoutchouc a boulé et puis mon yo même petit gens paniqué. Nous va permettre que nous même nous voyons comment ça est sur autoroute Delma. On a sorti sur Publin, là nous sommes dans la station Publin. On a sorti sur autour Delma. Et bon, nous avons dit une zone qui est plus ou moins calme. Nous ne sommes pas pour sortir sur l'autoroute là, puisque il est bruit que zone 60 et il y a un caoutchouc qui a boulé. Nous avons rêvé, nous allons et mettez caméra nous projecteur nous sous auto Delma. Entre temps là nous avons Fragno, c'est Fragnoville, c'est dans Fragnoville que nous avons sorti là nous devant l'hôpital L'Espoir. Et Publin Plaza.
monde qui est en bas live là, nous va sortir sur auto Delma là, nous dans Delma 83. Monsieur Moné, nous toujours demander qui côté et trafic là passé là, nous dans Delma 83, nous va sortir sur auto Delma. Là, on a pris venant Delma 60 et il semble que j'en ai remarqué là, il y a un caoutchouc vraiment qui a brûlé dans la zone ça. Mais bon, qui est pratiquement débloqué selon ça nous t'entendait. Mais là, nous arrivons, nous allons voir et font un petit parler avec quelqu'un dans la zone Delma 60 là. Et c'est Trafic 22, Radio-Télévision Caraïbe, nous mettons projecteur nous et là, dans la rue hein, pour nous connaître et comment ça y est. Nous allons permettre que nous-mêmes, nous gagnions plus de détails sur la situation. Ça. Abdi, tout le monde qui est en bas live là et... Là, c'est dans Delma 60 que nous y sommes. Là, c'est dans Delma 60 que nous y sommes. Voilà, c'est là. Et quand tu vas aller avec quelqu'un dans la zone, là, mais on est. Haïtien, pas aimé parler dans la télévision, il y a plus aimé parler dans la radio. Et on n'y a pas appelé, il y a une image. Et c'est une situation comme ça. Et là, nous avons fait contact avec quelqu'un là pour nous connaître qui est-ce qui voulait parler, qui est-ce qui voulait donner un petit détail sur comment le Carrefour Delma 60 lui-même est levé matin. Entre temps, si il n'y a pas de monde qui voulait parler, nous avons déplacé puisque son trafic n'a fait, nous avons camper en place. Et nous avons. Alors nous allons, bon, Jean nous a dit, il y a des gens qui va parler, qui va parler nous. Aucun détail sur comment soit ce plan. Alors nous avons amis là, monsieur va parler nous filmer, Jean nous a amis, nos caméras va sur, mais c'est trafic 22. Et Radio Télévision Caraïbe, comment nous lever matin dans Delma 60? Pour matin, là, regardez, nous pas brasser, on semble que le chauffeur dans la zone n'a pas brasser depuis mon bas, il y a 32 bloqués. Nous faisons nouvelle dans la radio, nous ensemble tout là. 48 bloqués, depuis l'emparet, là, moi-même, je suis pété, chef.
chef fait un chauffeur bis, mettez bis là en quoi là, ensemble tout. C'est action ça, c'est policier qui t'a revendiqué pour et non, dit chef, ou dit chef fait bis, mettez machine en quoi. C'est chef moi ouais et puis tout. Mais côté bis là qui t'a en quoi, il retire. Bis là t'a sorti boudon et puis tout. Bah oui, bis là yo t'a retiré, bis là t'a aller là comme ça, ensemble tout retiré. Son journée et pour nous-mêmes et nous gétan ouais nous mal démarrer dans journée on ressemble tout avait dit m'pa connait jusqu'il les bail ça suspend on ressemble tout ou joue message rapidement eh ben message d'avoir seulement t'a dit pour autorité moun qui concerné on ressemble tout moun qui concerné normalement on ressemble tout bon si chef yo c'est travail par eux a fait pas ka compte ça mais moun qui concerné connait faut que moun ka travail moun gen madame gain sol pour payer gain l'école doit ti moun ki gain ti moun pour voyer l'école ou ensemble zou ça autorité qui concerne vous dit un mot ensemble zou et radio télé caraïbe abdou merci et puis nous dit passons une bonne journée et malgré toute bagaille et puisque il est cap fait trafic loyé et trafic 22 souhaite une bonne journée eh ben dit radio caraïbe merci tout parce qu'il passe bon côté par nous tout ça non sens voilà et ça c'est amis qui et tu voulais parler mais qui pas voulait et on prend image yo n'a dit merci à Pierre Richard Deno et là nous pral démarrer n'a pral descendre sur autoroute Delma puisque Jean-Zamia dit nous c'est Delma qui gère ce problème là autoroute Delma semblait et pas fin trop OK pas fin trop yes et gain ça semble gagner une évolution dans la zone Delma 32. Dans la zone Delma 32, Jean-Zami en soutien nous. Et nous allons regarder comment ça est sous auto Delma. Deno, on démarre.
Là, nous avons un camion immatriculé TM 16521 et un camion de l'eau qui est assemblé, voulait mettre à travers la route là. Et caoutchouc l'éclaté, pas qu'on est, qui est juste arrivé, mais nous sommes en travers la zone Delma 48, il y a un camion de l'eau qui est croisé dans la temps route pour descendre sur l'auto Delma. Là, nous sommes dans le café Delma 33. J'en ai remarqué là, il y a un pile caoutchouc qui a brûlé là. Et là, nous sommes devant la radio-télévision nationale. On dit c'est télévision nationale, puisque nous avons une radio en bas là. C'est télévision nationale. Nous descendons sous l'autoroute Delma. Nous avons un pile chauffeur moto qui a pris direction monter sous l'autre tronçon sur l'autoroute Delma. Et là, nous n'avons pas remarqué en pile machine et trafic, tap-tap, bus. J'en connais station Delma 33 qui compte en pile et bus qui a chargé là. Même Jean pour Delma 31, station ça qui toujours gagne en pile bus qui a chargé là. Nous n'avons pas remarqué. Nous avons descendu au niveau du Carrefour Aéroport puisque. On a descendu au niveau Carrefour Aéroport, j'en ai dit, puisque c'est là qu'on a campé trafic 22 ça, qui est démarré, que nous avons démarré depuis Publin, pour arriver à Carrefour Aéroport, pour montrer nous comment Delma, commune Delma lui-même, est levé dans trafic 22 pour journée mercredi 17 mars 2021.
Richard, nous avons campé là. Là, nous sous ça que monsieur aurait les routes en l'air, il y a plusieurs noms. Nous avons des détonations pendant que nous arrivons dans le cap pour aéroport là. Nous avons des détonations, nous avons des cartouches qui tirent. Et dans la zone CAFO aéroport, zone aurait les CAFO résistance depuis longtemps. Et nous avons des détonations, des tirs. Nous ne connaissons pas de qui est directement, mais l'Assemblée a gagné un gros mouvement qui a préparé et pour ta fête dans la zone. Il faut nous dire et annoncer à tout le monde que la circulation pratiquement n'est pas possible sur l'autoroute Delma. Sinon, la station ça n'a pas gardé. Nous avons zoom sur la station et la pleine, station qui est chargée pour Gérald Bataille, Bon Repos et Croix des Bouquets. Là c'est station et ça que n'a regardé nous qui pratiquement gain machine la donne mais n'a c'est là n'a campé trafic 22 aujourd'hui hein, et n'a dit merci avec toute équipe là qui t'a fait un travail dans studio hein, dans Ruel Chavanne qui t'a permettre que nous suivre trafic ça caméra réalisation Pierre Richard Deno et moi-même serviteur qui était dans micro hein, c'est Malaïko Sénégal cap dit nous à très bientôt pour une autre trafic 22 qui est pendant la journée, hein, qui est demain, ça va dépendre de qui j'en évolution même. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Restez sur réseau ça, Radio-Télévision Caraïbe et poursuivre toute programmation. Nous.